गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मीकु सप्रेम नमस्कारम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो जिनु पे कोचनीय अवेक नु जोली लीव साक्रे मनुस्मृति टुजू नुआको शापित द ए सा ला फॉ पासे ए अवां उसी मनु महाराज ले ग्रांड साज मनु लिपे कॉन्टिन्यू कोज लो गुरु की सनला ए शिष्य की सनला देवोर एंड शिष्य एंड डिसिप एनवर्स ओ गुरु देव। डोंक नू कॉन्टिन्यू चैप्टर 2 श्लोक वर्से 201 परिवादात् खरो भवति श्वावै भवति निंदकः परिभोक्ता कृमिर भवति कीटो भवति मत्सरी। सिंजिसिप लिपे तान किकेन पे कंट्राई सो गुरु पे ट्राइये सो गुरु पे माल कोज कोजे सो गुरु एलिनेक पे एकुते इल पा जे नो ये सो प्रोशन नेसांस सा डिसिप सा शिष्यला लिपुने कोमेन बुरिक। सी डिसिप कंट्राई सो गुरुदेव बे सो प्रोशन नेसांस l'inné comme un lycien. Un disciple mal utilise l'argent ou d'autres choses pour jouir sur la vie personnelle. Alors, disciple pour n'être comme fourmi dans sa prochaine naissance. C'est un disciple jaloux, fait l'arrogance, also Gurudev, ben, sa prochaine naissance, l'épouse comme un insecte, un bébé. Alors, ici, nous manus muriti, Manu Maharaj, il m'est bien bien clair. Si quelqu'un peut contrair au Guru, pe mal cause cause au guru et où peut écouter c'est tout ça disciple ça chiche là peut écouter il pas dire non rien il pas réagir. Donc ces affaires pas bon prochaine naissance il vous naît comme une bourrique. Ici quand peut dire il pas réagir, ça ne veut pas dire qu'il est besoin de maltraiter sa personne là, il est besoin de zoomer sa personne là, non. Mais il est besoin de dire ça, pas contrarier mon gourou, pas insulter mon gourou. Il est capable de cause bien en lui, faire lui comprendre. Et si sa personne là persiste, il y aller tranquille. Il allait tranquille, mais il n'a pas écouté. Il a écouté et il n'a pas dit non, rien. Ça, il est bien dangereux, ça. Et il y a un autre point encore, il me dit, un disciple
faudrait pas li mal utilise l'argent. Je veux dire pour son gourou, même dans l'ashram, même côté ça, pour ses affaires personnelles, pour son plaisir personnel, sa disciple-là, sa prochaine naissance, il pour naître comme une fourmi. Et sa disciple-là, s'il peut faire l'arrogance, comme dit Mauricien, il peut faire grand noir en son gurudev, il peut faire faisir, il peut mal causer, sa prochaine naissance, il pour naître comme un insecte. Durastho narchaye denam na krudho nantike istriyaha yana sanasthash chai vainam varul hyo bhi vadaye. Depuis loin, jamais pas faire Gurudev namaskar. Depuis loin ou pas faire Gurudev son namaskar. Al prier Gurudev ou faire namaskar. Et faudrait pas agacer, en colère en Gurudev. À aucun moment, quand même, qui Gurudev, qui une cause, qui circonstance, à aucun moment, faudrait pas un disciple il y a agacé un gourou. Ou soit gourou là peut donner trop beaucoup de travail pour faire. Ou soit gourou là, il cause un petit peu fort en lui. Et disciple, il est en colère, il est agacé. Ça, c'est un péché. À aucun moment, il n'a pas le droit d'agacer, il n'a pas besoin en colère. Les bizarres, écoute Gurudev, sur l'autre. Ce conseil avec un contentement, avec un équerre ouvert et rapide lui faire ce que Guru peut dire lui. L'étant Gurudev et Guru Mata, in assisé peut converser, faudrait pas agace Guru, faudrait pas disturbe Guru et faudrait pas rentrer dans une conversation. S'il y a une permission, pour causer, les la causer, sinon pas rentrer dans conversation Gurudev et Guru Mata peut causer. Pas déranger du tout. Si elle a une affaire bien sérieuse, attendre un petit peu, et les là avec tout respect de Gurudev, elle a une affaire sérieuse, s'il vous plaît, est-ce qu'ils m'ont capable de dire où? Les là, pour causer. Quand même, un disciple, il assise l'eau, sur chaise, ou soit dans son véhicule, tout de suite lever, aller à prier Gurudev et faire namaskar. Quand on assise, ou capable dans un véhicule, mais tout de suite, quand on trouve Gurudev, on descend, aller ou à prier et cause avec Gurudev, faire le namaskar. Goshwosh Tuyana Prasadastas Tareshu Kateshu Cha Asita Guruna Sartha Shila Fala Kanishu Cha. Pendant que voyager, Guru Shishya, Guru et disciple, vous êtes capables assises ensemble pendant que vous voyagez. Vous êtes capable de louer un cheval, vous êtes capable de louer un bœuf, vous êtes capable de louer un éléphant aussi. Puis voyager ensemble, vous êtes capable d'assiser ensemble d'un véhicule, d'un bateau, ensemble, Guru Shishya, capable d'assiser. Et avec, bien sûr, consentement, Guru, capacité le même nat. L'ouen pavage, l'ouen rose, un gros rose, vous pouvez assiser ensemble.
là où la case, le banc, peut-être banc là, un peu long, vous êtes capable d'assiser ensemble, mais toujours avec consentement Gurudev. Imagine bien, ça même respect, besoin montré pour Gurudev, son gourou. Gurudev, son gourou aussi, il mérite sans même respect. Pour Guru Mata aussi, il demande même respect, besoin de respect, il pareil. Pratishedhastu, pratishedhastu, chadharman hitam chopati chopadishat swapi. Respect tout bonne personne, ce qui fait la guerre contre adharma et d'autres qui sont capables d'aider. Respect ce qui peut propager dharma. Fais autre namaskar tous les jours, tout le temps. Respectez Guru Putra. Guru son garçon. Respect-lui. Respect-lui. Quand même les plus petits qui ou, mais respect-lui. Là, il y a des trois points bien essentiels pour nous comprendre comment nous, Hindu dharma, nous, Sanatan dharma, était. Et un disciple qui son comportement. Mais son comportement là, hein. Bon, ben, répète-lui. Manu veut dire, grand rishi, Manu, ce qui peut la guerre contre adharma, respecter sa bonne jimoun comme ça là. Et qu'on est capable d'aider, parce qu'il peut la guerre contre adharma, contre injustice. Il peut fight. Et ce qui peut propager dharma, respecter, dieli namaskar, tout le temps dieli namaskar, et encourage-li. Côte capable aide-lui, coopérer en lui. Ce qui peut protéger, dharma. Ce qui peut propager, dharma. Et en même temps, Guru Putra. Respect, enfants, et Guru. Qui sont garçons, qui sont filles, respect. Quand même les plus petits qui ont, mais respect les autres. Guru Patni, tu, yuvatir nabhi. Vadyeha padayoho purna vimshati varshena gunadoshau vijanata. Un jeune shishya, un jeune disciple, 20 ans, faudrait pas les tous les pieds, un jeune guru mata. Get ça close là. Parfois, Gurudev, bien jeune. Guru Mata aussi, capable bien jeune. Mais un disciple, 20 ans. Il est capable d'avoir 19 ans aussi. Il est capable d'avoir 18, 19, 20, 21, 22. Il est jeune. Mais ça, shishya, ça disciple-là, s'il trouve Guru Mata jeune, il est capable d'avoir un petit peu près en lui, mais il n'est pas tous les pieds Guru Mata pour prendre son ashirwad. Un minimum d'émettre distance, les prosterner là-bas même, les prendre ashirwad pour Guru Mata parce qu'il est jeune, pas tous sur les pieds. Et autant que possible, d'après nos livres sacrés, dans les autres livres, quand il est bien jeune, Guru Mata, jamais pas get so figure. Get sur les pieds et fait namaskar. Pareil comme Lakshman dans Ramayana, li get les pieds sur Odne, sur Bhabi, sur Belser, Sita Devi. Comme ça, ça, ça principe. Avidwamsa malam loke, vidwamsa mapi vapunaha, pramadahyut. Patham netum kama krodha vashanugam. Madame, elle a une capacité pour
amène ban monsieur vers désir et colère. Un monsieur, li capable grand intellectuel, li capable un grand génie, ou soit une personne ignorant, mais madame, istri, mahila, madame, li capable induire un monsieur en erreur. Si li voulait, madame, vous êtes bien attirante, vous êtes bien, comment on appelle ça, vous êtes un sa power là, parce que sa beauté est extraordinaire et vous êtes bien douce. Et facile l'histoire aussi de prouver. Grand, grand riche, comme Vishwamitra Maharishi. Il n'est pas capable. Une madame vini, bien jolie, bien attirante, et il n'est pas capable. À cause de ça, tout ça, ma précaution là, Manu aussi peut dire, prends précaution, ban jeune disciple, il peut monter, il peut venir bien jeune, mais il vient qu'on contrôle sur l'esprit, il vient qu'on contrôle sur bon sens. Et autant que possible, respecter bonne madame. Et si bonne madame bien jolie et bonne madame bien attirante, autant que possible, pas guette dans son lisier et contrôle l'esprit, éviter. Alors, ça va une précaution que Manu peut dire, ben disciple, qu'ils ont des voix. Et ça, les mondes là aussi, nous trouvons, en général même, combien de monde glissé, tombé. Madame là, sa petite fille là, est innocente même, mais sa Michel là, ou soit sa bande jeune, étudiant, ils ont glissé, ils ont tombé. À cause de pas faire contrôle de l'esprit, de sens. Mata, matra, swasra, dohitra, vana vivikta, sano, navet, balavanindriya, gramo, vidwam, samapi, karshati. Faudrait pas assise dans une place retirée, tout seul. Avec maman, sœur, chifi, parce que l'esprit sens, vous êtes bien faux, ça lui influence intellectuelle aussi, lui influence tout du monde en général. Qu'il y ait une maman, ou propre maman, qu'il y ait ou sœur, qui ou chifi, et bien les autres madames, les autres chifi, ça n'a pas besoin de dire à sœur. Alors, autant que possible, pas assis aux autres, surtout tout seul. Si vous dans parmi, dans cette salle, ça y est, l'autre affaire. Mais tout seul, et une place retirée, ou bien reste bien, bien vigilant, bien, bien serré. Yatha, kanam, kanitrena, naro, varyadhi, gachati. तथा गुरुगतां विद्यां सुश्रूषु पराधिगच्छति. Pareil comment une personne les fouille la terre avec beaucoup de la peine et les gagne de l'eau, comme ça même besoin faire beaucoup seva pour Gurudev pour gagner l'éducation. Joli l'exemple. Ou envie gagne de l'eau ou dans le désert, pas connaître que tout était. Mais si vous continuez à fouiller ça la terre là, ou allez même, avec beaucoup de patience, beaucoup de courage, ou vous gagnez de l'eau. C'est une manière de fouiller, puis vous gagnez de l'eau. Comme ça même, besoin de faire beaucoup de seva. Beaucoup de seva, rendre service, coopérer avec Guru, et vivre bien avec Guru. Écoute Guru sur l'autre. Définitivement, ou pour gagner l'éducation en lui, ou pour gagner la connaissance
ou pour apprendre beaucoup d'affaires avec le gourou. Mundeva, Jatilo, Vasyada, Tata, Siach, Chika, Jataha, Nainam Grame, Ebi, Nim Lochet, Chet, Suryona, Bhudi, Yata, Kwichit, and Brahmachari, Echijan. Les capables coupent tout ce cheveu, les capables rasent au coco, ou soit les gosses au cheveu, et c'est tout ce chica, ce lac et cheveu, ce chica au milieu de la tête, ou soit les gosses jata, faire Gayatri mantra job, soleil levé, avant soleil levé, soleil levé, toute la journée, aller même jusqu'à soleil couché, et après soleil couché, puis aller dormir aussi. Avant, pendant et après soleil levé aussi, et puis aller dormir aussi, faire Gayatri mantra job. Mantra chanting, Gayatri mantra. Om bhur bhuvah swah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Ça même Gayatri mantra pour moi vous connaît. Alors, avant soleil levé, toute la journée, soleil couché, même ou peut dormir. Ou peut dormir ou l'olili avant gagner sommeil ou djé ça ou dormir. Comment il joli ça? Bien joli, c'est que Manu Maharaj peut conseiller. Suryena. Hi abhinir muktah shayano bhuditascha yah prayaschittam kurvano yuktah syanma hatai nasa. Si soleil finit levé et un brahmachari étudiant prend qu'au levé, ben ça n'est pas correct, pas bon du tout. Et il a besoin de lever avant le soleil levé. Il fait son job top, fait son Gayatri mantra job. Et après-midi, tantôt, le temps soleil couché, il reprend son bain et il refait son job top. Après, normal, il peut prendre son dîner et relax. Et il continue à faire son job top, lire, écrire, faire son devoir. Après, le soir, il a dormi. Et si en cas, et soleil finit levé, il n'est pas encore levé, il y a une pénalité. Il est besoin de payer pour ça. Ça veut dire, il est bien récite son mantra un peu plus. Fait qu'on va dire, un job mala, il est habitué à faire. Il est bien faire deux, quand même trois. Ça, c'est pénalty. Parce qu'il fait une erreur. Soleil, il levé, il peut encore lever. Ça, on appelle prashchittam. Il est bien faire ça. Ça, devoir un étudiant dans Gurukul. Et en général, même quand même qui est étudiant. Si suivre sa discipline là, définitivement, il peut venir un bon disciple pour son gurudev, un bon shishya, il peut venir un bon brahmachari, il peut venir un bon garçon, et il peut bien respectable, le temps il sorti gurukul, il peut aller dans son village, dans sa société, côté ses parents. Voilà. Un petit peu, ce que nous sommes capables de lire pour aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons continuer nos manuscrits après. Om Shanti, Shanti, Shanti.